racks. I count six shots. Bustin' out the bando. A nigga jury real metal like a panel. Bleak. I went from rag to riches to a future with tilt. Yo tout le monde, c'est Mister Spécial, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la map Red et de son remake Empire. Mais juste avant, je tiens à préciser que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG et à d'autres chaînes communautaires et je les remercie d'avance s'ils acceptent du plot de ma vidéo. Voilà, alors maintenant on va continuer avec l'autre sujet, c'est-à-dire Empire. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien tout simplement la mythique map Red de Call of Duty Black Ops 2 revient sur ce Black Ops 3 sous forme d'une villa romaine qui appartient à un riche, comme le précise tout simplement la description de cette nouvelle remasterisation. Voilà, et à l'occasion j'ai décidé de comparer la map originale et la map retouchée remasterisée. J'espère en tout cas moi que la map Empire sera vraiment plaisante à jouer comme Red sur Black Ops 2, puisque comme vous l'avez vu, la map a été reprise telle qu'elle était avant. Voilà, je suis vraiment impatient de pouvoir tester ce nouveau DLC, le DLC 3. Et maintenant, je vais vous émettre une petite théorie. Et elle porte sur la prochaine map remasterisée du dernier DLC, c'est-à-dire le DLC 4. Alors, sur les DLC, on a eu droit à la map Skyjacked et la map Empire, qui d'origine était de Black Ops 2. On a eu aussi Verge, qui datait de World at War. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est fort probable de retrouver une map de Call of Duty Black Ops 1 sur ce dernier DLC 4? Et donc juste avant de vous quitter, je tenais quand même à vous poser une petite question. Quelle map de Black Ops 1 voudriez-vous voir sur Black Ops 3? Personnellement, j'aurais bien aimé avoir un petit Summit ou encore Firing Range. Vous allez me dire pourquoi? Et bien c'est tout simplement parce que je trouve qu'elles sont vraiment adaptées au jetpack de Call of Duty Black Ops 3 et du système de mouvement. Après il y a des maps comme WMD, Crysis, des maps comme ça qui pourraient vraiment trouver leur place sur ce fameux Black Ops 3. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et vous pouvez aussi partager, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Mister Spécial, allez peace tout le monde.